Le premier régiment de Spahis fut créé en août 1914 par le général Lyautey au Maroc. Il participe à la Première Guerre mondiale en France et dans les Balkans où il s'illustre particulièrement à la bataille du Scub. Basé à Alep pendant l'entre-deux-guerres, il effectue de nombreuses opérations de pacification. Après la capitulation de la France en 1940, il se divise. Une partie décide de rejoindre les FFL pour se battre avec les Alliés en Afrique du Nord. Le régiment, par l'intermédiaire du 7e escadron, est engagé en Indochine, en Algérie et sur la plupart des théâtres d'opération où est engagée la France jusqu'à ce jour. Après avoir été basé en Allemagne, il s'installe à Valence en 1984. Héritier des chasseurs à cheval marocains, le premier régiment des Spahis appartient à l'arme blindée de cavalerie, plus précisément la cavalerie légère, char à roues AMX-10RC et Saguet. A ce titre, il est composé de 5 escadrons de combat sur char, un escadron de commandement logistique, 2 escadrons de réserve. Le 7e escadron de réserve est recréé en juin 2017 sous les ordres du capitaine Régis. L'escadron a pour zone de responsabilité le territoire de l'Ardèche. Il a pour mission de renforcer l'active sur les missions de protection du territoire national, les gardes régimentaires, la mission sentinelle et parfois des missions extérieures. C'est un projet de formation qui est dense forcément puisque nous avons une cinquantaine de réservistes qui sont présents sur 3 jours. Et en 3 jours, on doit les amener à être formés pour être capables dès décembre, de faire sentinelle, c'est-à-dire d'être projeté sur Marseille ou d'autres zones pendant 15 jours, un mois, voire pour certains 2 mois. Donc on fait des formations sur le secourisme, le PSC1, le secourisme qu'on connaît dans le civil, mais aussi sur du SC1, le secourisme de combat. Donc la différence, c'est que c'est la tenue du militaire, l'armement qu'il peut avoir à ce moment-là. Et si on doit intervenir pour aider l'un de nos camarades. Dans un deuxième temps, vous avez aussi des formations sur ce qu'on appelle le combat urbain, c'est-à-dire comment on rentre aussi dans une zone, comment on se protège et comment on peut intervenir dans une pièce ou dans une autre pièce si à un moment... cela devait devenir compliqué. Dans un dernier temps, il y a aussi les formations sur l'utilisation de son arme, hein, ce qu'on appelle la moelle, hein, cette mise en œuvre. Et ce sont des répétitions, ce qu'on appelle chez nous le drill, tout simplement, qui permet d'acquérir de façon un petit peu automatique des réflexes, mais qui permettent d'être efficient et efficace avec qu'une seule logique, c'est la défense de nos concitoyens et être là où on nous demande d'être. Alors le réserviste, plus particulièrement au 1er régiment de Spahis, vous avez 2 escadrons de réserve. Le 5e escadron qui est présent depuis très longtemps et le 7e escadron que je commande et qui a été créé le 24 juin de cette année. À l'heure actuelle, vous avez 93 jeunes hommes et femmes qui en font partie. Sur ces 93 jeunes hommes et femmes, vous avez des gens qui travaillent, des personnes qui ont un emploi dans le monde civil et qui choisissent 20, 30, 50, voire certains 100 jours de l'année, de venir et de travailler au profit de nos concitoyens. Spahis Arnaud, tu peux me rappeler l'âge que tu as, s'il te plaît ? J'ai 44 ans, mon capitaine. Et tu t'es engagé dans la réserve quand ? Donc j'ai signé mon contrat au mois de juin et j'ai fait ma FMIR au mois d'août. Ta FMIR qui est la formation initiale du réserviste ? C'est ça. Et donc ils s'entraînent. Certains ont, depuis le début de l'année, fait déjà 2 fois sentinelle et repartiront une 3e fois en fin d'année pour 15 jours, comme je vous ai dit, ou d'autres durées. Donc ce sont j'ai des maîtres de conférences, j'ai des étudiants, j'ai des personnes qui ont 17 ans et demi, d'autres qui ont 40 ans. Voilà, moi pour ma part, je vais bientôt avoir 50 ans. Donc il y a tous les âges possibles et imaginables. La seule chose qui fédère toutes ces personnes, c'est l'envie d'être au service et d'être utile. On peut être utile dans les pompiers, on peut être utile dans la police, mais notamment, ils ont fait le choix, pour eux, d'être utile au service de l'armée de terre et des missions qui nous sont allouées. Si quelqu'un était motivé pour venir rejoindre la réserve, il ne faut pas qu'il regarde son âge. Il vient, il rencontre, par exemple, le CIRFA,
on va lui expliquer et lui dire les possibilités et tout ce qui est attendu. Dernièrement, on a recruté quelqu'un qui avait 42 ans, qui avait fait son service national et qui est revenu et qui, en août, a fait une formation initiale. Donc, il était avec des jeunes et dans son groupe, il y avait un jeune de 17 ans et demi. Donc, il y avait un écart type important. Et pourtant, ça se déroule très, très bien parce qu'il y a une seule motivation pour ces personnes, c'est d'être utile, être au service, voilà, humblement et avec humilité. J'ai quitté l'Active en juillet de cette année. Je me suis reconverti dans le domaine du transport scolaire. Je travaille à la SRADA, qui est une grosse régie de la région Drôme-Ardèche. Et je me suis également engagé au titre de la réserve pour rester dans le milieu militaire et faire le nécessaire pour que je puisse instruire les jeunes qui s'engagent dans la réserve dans le domaine du tir. Alors actuellement, les groupes sont répartis au sein des chefs de groupe. Vous avez deux groupes de 10 ou 12 personnes. Et le travail est d'abord, dans un premier temps, au sein du chef de groupe qui va s'assurer que les connaissances soient acquises. Et ensuite, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je passe au sein de chaque groupe pour m'assurer que tout était acquis. Un escadron qui est dédié à l'Ardèche. C'est un escadron au profit du département de l'Ardèche. Ça n'existait pas avant, donc c'est une vraie nouveauté. Et c'est un escadron qui est composé à l'heure actuelle de 60% d'Ardéchois. Mais l'objectif à terme, c'est que 90% du personnel qui est présent, donc personnel, c'est le terme militaire, mais des collaborateurs, soient des Ardéchois et que l'on puisse être présent. On va régulièrement à Privas, on va régulièrement sur d'autres villes pour démontrer notre présence et notre envie d'être présent sur le territoire ardéchois aussi. Quand je vois la motivation et l'engagement de ces jeunes et de ces moins jeunes, je suis régulièrement vraiment avec une notion de respect envers eux. Parce que ce sont des gens qui font un choix extraordinaire, que je trouve extraordinaire, d'avoir deux vies, une vie dans leur métier, et après, ils viennent le week-end, ou voir, pour ceux qui vont venir, il y en a quand même 57 qui vont être en décembre jusqu'à début janvier présents pour remplacer les gens d'active, ou pour aider les gens d'active, et qui font le choix de ne pas être présents pour une partie des fêtes familiale. Et ils le font en conscience, ils ne sont pas obligés, c'est un contrat et on leur demande est-ce que vous souhaitez le faire. Donc c'est vraiment, le réserviste est vraiment dans une notion de service. Rachel Logi, quel est votre métier dans le Responsable civil. Secteur. Et où ça, dans quel... dans la branche du nettoyage et sécurité. Ok. Je m'appelle Mathieu, j'ai terminé mes études et je me prépare à passer un concours pour intégrer la police. Première classe Thibault, je suis étudiant en viticulture et œnologie. Spy Jérémy, je suis étudiant en BTS diététique. Spy Loris, je viens de finir mes études dans le droit privé. Spy Nathan, j'étudie dans l'électronique. Spy Mathieu, je bosse en tant que technicien d'usinage. Les Spahis de Valence, actifs depuis la Première Guerre mondiale, apportent le soutien dans le cadre d'actions militaires engagées par la nation française. Les réservistes, à ce jour, restent incontournables puisqu'ils apportent un complément à l'engagement des hommes qui, à chaque déplacement, risquent leur vie pour défendre la patrie. Il est pour cela incontournable de conserver le temps de l'exercice pour que, en cas de nouvelles interventions militaires, ils soient parés pour combattre, se défendre et défendre les intérêts de la nation.